Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Qui pique au point comme domine actualité dans le journal là, pays d'Haïti, enterré plusieurs cadavres citoyens qui étaient morts assassinés en deux pays. Parmi eux, nous jouons ancien président républicain Jovenel Moïse qui était mort en babal, bandit colombien, qui était assassiné, martyrisé, maltraité dans résidence privée le 6 à 7 juillet 2021. Dans l'éloge funèbre, veuve Marie-Étienne Martine Moïse déclaré président Jovenel Moïse mourir pour peuple haïtien. Il devrait montrer route de développement, Jovenel Moïse, malgré yo. Bon, écoutez, lui, parce qu'il était gagné, Jovenel Moïse mourit malgré loyauté, parce qu'il était gagné, très bon côté, lui. Il a perdu la bataille là, il a pas perdu la guerre, parole Martine Moïse, ancien première dame pays. Entre temps, Jovenel Moïse, petit garçon, défunt président, te prend la parole dans ces circonstances-là, il fait éloge papa lui, t'as couru au monde qui t'est rempli à clamour, même s'il t'a vive dans mes temps méchants, yo. Papa, t'es bon à tout le monde, même s'il t'a vive dans mes temps, yo bonne traite, parole Jovenel Moïse, dans ces circonstances d'en faire pour un éloge à papa lui, qui mourit assassiné le 6 à 7 juillet 2021, j'en nous connais déjà. Entre temps, funérailles ancien policier Gerbi Geoffroy, porte-parole SPNH 17 ans, chanté samedi 24 juillet 2021, dans l'église Sacré-Cœur sur jour, sans présence, aucun nouveau commandement PNH. C'est quelques membres SPNH 17 ans, syndicat policier, eux-mêmes qui étaient assistés à funérailles, porte-parole SPNH 17 ans, Gerbi Geoffroy, dans l'église Sacré-Cœur sur jour. Alors, sur le funérailles, Marie-Antoinette Duclair, Dinetti, t'es chanté lui-même dans la commune Chantal, dans le département sud, pays, en présence de plusieurs camarades politiques. N'a pas si allé, Mounsayo, il était mouru, parmi un pile monde qui était mouru, dans la date 29, arrivé 30 juin 2021, dans Crissois avec, dans Delma 32, côté, c'est une nuit de carnage, t'es plus passé 16 monde qui t'es perdu la vie, juste soit ça, et là, ça, journaliste, Diego Charles, journaliste Vision 2000, les mêmes tours, il était mort assassiné, ensemble, avec Marie-Antoinette Duclair. Dans délégation pays les États-Unis, j'ai parlé avec plusieurs autorités dans le presse pays, parmi eux, et au commandement PNH, président Tiré-Sénat, Joseph Lambert. Ma question insécurité, il y a un inspecteur de police mouri, assassiné en babal, dans machine, dans quoi de bouquet, sous route, mon cabrit là. Acte dossier assassinat ou encore funérailles, n'a démarré journal là, journal lundi 26 juillet 2021, n'a pas au pays d'Haïti, enterré plusieurs cadavres citoyens qui étaient morts assassinés en dans pays. Parmi eux, nous jouons ancien président république, Jovenel Moïse, qui était mort en babal, bandit colombien qui était assassiné, martyrisé, maltraité dans la résidence privée, dans la 6 à 7 juillet 2021. Une cérémonie qui était faite sous haute tension parce que il y a un pile citoyen dans la ville au Cap, eux-mêmes qui tapent contesté funérailles, quand ils tapent dénoncé, gens qui ont été assassinés, président républicain Jovenel Moïse. Entre temps, dans l'éloge funèbre, madame Marie-Étienne Martine Moïse, prononcé vendredi 23 juillet, dans le moment cérémonie, déclaré président de la République, Jovenel Moïse, mourir pour peuple haïtien, il devait montrer route, développement à progrès, dans le moment de balle courant, de balle route, il devait porter la Kaili, pompe solaire pour que eux soient capables de faire agriculture avancer. Jovenel mourir malgré loyauté envers tout le monde, parce que il était un traite bon côté lui. Il a perdu la bataille là, mais il n'a pas perdu la guerre. Parole Martine Moïse, qui c'est ancien première dame pays d'Haïti, dans le moment cérémonie et funèbre, ancien président républicain, dans Jovenel Moïse, dans la ville au Cap, vendredi 23 juillet 2021, qui nous invite au côté. Et l'aide à surmonter ces épreuves. Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjoué, doté de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux.
Ce jeune homme m'a charmée et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de le faire qu'un seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Nous voudrions toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts aux tiens? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparé. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Sœurs et frères, haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proies. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. On a écouté première dame, ancienne première dame république, madame veuve Marie-Étienne Martine Moïse, lui-même, dans le moment de prononcer éloge funèbre, président défunt Jovenel Moïse. Plus loin, madame Martine Moïse fait quoi que président république l'a mouru parce qu'il a bataillé contre oligarque corrompu, et puis il a bataillé pour que la démocratie soit capable de triompher en d'un pays, hein, et de façon à ce que les gens qui vivent pauvres soient capables de joindre à lumière en d'un pays d'Haïti. Lui bataille tout pour capable de jouer électricité, pour capable de jouer une route, j'en ai déjà. Elle dit, yo perdu bataille, yo perdu la guerre, mais yo pas perdu bataille. Yo assassiné président Jovenel, mais yo pas qu'à assassiner vision. Yo pas qu'à assassiner l'idée. Yo pas qu'à assassiner rêve li gagné pour pays. Nous perdions bataille, mais nous pas perdu la guerre. L'Itlan pas qu'au fini. Jovenel Moïse n'a pas plagué nous en route. Il était déjà montré nos chemins. Et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est long. Le jour qui était 7 juillet, c'est un jour où le monde sans foi ni loi paraît à toute volonté pour chavirer, choisir l'espoir pour le monde qui pis mal, pour gros orteils, pour tête canaille. Les gens qui ont commencé à prendre l'espoir et le développement parce que la route a fait de la caille, le poteau a mis, le courant a bâillé, la pompe solaire a installé pour couper grand goût. Le jour 7 juillet, M. a planifié pour couper le souffle sans ne pas rendre compte qui mal a fait le pays, qui mal a fait le monde Haïti, qui mal a fait la diaspora.
Moi connais ou pas de jambe mes politiques, Jo. Ou pas de jambe voulait entrer dans la politique. Moi t'es toujours voulu un changement réel. Ou t'es toujours voulu la vie meilleure pour ça qui est pauvre. Moi pas de penser que petit changement ça, ou t'es voulu faire, t'es qu'à mettre de l'eau dans toute famille, t'es qu'à mettre de l'eau dans tout peuple là. Moi pas de penser que route de l'eau courant, qui c'est base développement tout peuple sous la terre gagne, qui c'est base développement et que tout peuple sous la terre doit gagner, t'as qu'à mettre nous dans chagrin éternellement. Nous t'es toujours ou t'es toujours voulu pour graisse cochon et cuite cochon. Mais hélas, ça t'est la cause que pays a été l'oxou. Ça t'est la cause que monde qui gagne contre le gang yo, t'es la gueule de yo. Ça t'est la cause que conspiration village Tibois t'es manqué pour toi aller. Ça t'est la cause qui ont été payés mercenaires. Vin dans pays a rete pendant plusieurs mois pour te tonne 6 7 juillet pour te tenou ta kou lap nan van yo goumen juste mec doate jo oligak yo gagnon bataille mais ou pa konn si peuple a commencé wè clair si peuple a commencé comprendre si jèl calé ki donc ou devant nous perdons bataille mais la guerre poko fini. Faut que nous jouions justice pour voilà. Voilà, amis auditeurs, t'as écouté déclaration première dame République l'ange, madame Martine Moïse, nan éloge funèbre d'a fait pour défunt Marie-Li et président Jovenel Moïse, vendredi 23 juillet 2021, dans ville au Cap, côté que, il a enterré président Jovenel Moïse qui était mort assassiné le 6 à 7 juillet 2021, j'en connais déjà. En tout cas, Jovenel Moïse, petit garçon défunt, président, lui-même qui te prend la parole, dans la circonstance, il fait éloge de papa, t'as couru au monde qui était rempli avec l'amour, même s'il t'a vivre dans le temps méchant. Papal, t'es bon à tout le monde, même si l'État vu dans le temps une bonne traite. C'est parole ça avec un pilote encore, Jovenel Moïse, fait dans le moment, il a présenté éloge funèbre papal. Mettez pour nous toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage, mon père, le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venu, certains de très loin, le saluer à la gare de son dernier départ. Au seuil de ce voyage vers les espaces infinis, vous n'en revient pas. Papa, je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps, et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que les hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa m'a décampé dans même la course. Et grand-papa m'a couché dans le cercueil. Papa m'a mis courage sur lui pour te parler de papa. Il te mis courage sur lui pour lui dire que j'en ai mon papa m'a dit. Qui j'en ai élevé. Éducation de recevoir de lui. J'ai le bon monde qui te travaille. J'ai le remède et j'ai le respecté.
Je dis, c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est un monde qui est rempli à l'amour. Même là, il t'a pris dans le temps méchant. Papa, tu es un modèle pour chaque grand monde. Papa, tu es honnête. Il était bon à tout le monde. Il t'a prêché tête ensemble. Même si tu as vu ma mita traite. Il était une compassion. Il était toujours voulu aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader. Un vrai leader. C'était président nous. C'était président Pam. C'était un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la famille. C'est un président qui a vécu pour le peuple. Et qui finit par mourir pour le peuple. Moi, je connais, je ne fais pas papa, des fois, je suis un tyran. Je ne fais pas un méchant, je suis un diable. Je te dépense un pays comme tout ça. Mais moi, je connais tout que. Le matin 7 juillet, j'ai pas fermé. J'ai pas monté le bouffe. Ouais. Nous, bien clair pour nous. Alors, c'est ça que nous avons de nos genoux. Nous avons mis des garçons et des femmes sur nous. Oui. Pour nous honorer les mémoires libres dans chaque action que nous posons. Mon co-accent. C'est des bagailles qui sont fragiles. Je dis, on l'a, des mondes disparaissent. Mais on l'idée qu'à simple, mais elle était éternelle. Nous sommes capables, Haïti pour Haïtien, tout Haïtien doit le même droit. Haïti va être douce pour un petit parti monde seulement, mais elle est douce pour tout le monde. C'était l'idée ça, yo. C'est l'idée ça, yo, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça, yo, yo assassiné. Mais pas oublier, on l'idée plus puissant parce que n'importe où. L'idée continue de vivre et continue de grandir. Même les vie pas. On a écouté, petit garçon, président de la République, là, Jovenel Moïse, lui-même, dans la cérémonie funèbre qui t'a organisé pour défunt président, vendredi 23 juillet 2021, dans la ville au Cap, à côté que t'as enterré président de la République, là, défunt président, Jovenel Moïse. Là, c'est allé pour vous, il y a une réaction qui tombait après. Funérailles, il y a ancien président chambre député Gary Boudou qui fait quoi que la mort président pays pas capable de sortir dans le camp peuple parce que pas de monde dans la classe moyenne qui gagnait gomago l'argent comme ça pour assassiner défunt président Jovenel Moïse. Mais plutôt c'est oligarque corrompu que défunt président Jovenel Moïse ta bataille contre eux, c'est eux-mêmes qui financent les assassinats contre le président républicain Jovenel Moïse dans la nuit 6 à 7 juillet 2021. Gary Boudou, c'est ancien président chambre député pays d'Haïti. C'est une garde qui s'ajoute le Moïse tap défendre. Il n'est pas trop difficile pour qui compte le Jovenel Moïse sorti. Sans que le sondage là accuse les personnes, depuis que madame Aniga qui t'a parlé dans la maison de nous, comme une figure connue ici, peut-être qu'il va aider surtout, mais quand même, qui ont certaines connaissances, sont universitaires. Une telle opération comme ça, c'est une opération qui coûte entre 20 à 30 millions de dollars américains. Mais justement, qui parle, qui met, qui parle, rentrer quand un président, 26 mois seulement pour aller dans la quand un président pour aller et puis c'est pour 2 500 $ américains, et c'est pour 3 000 $ américains. Donc ça veut dire opération ça, c'est ma fille avec compétence dans la Niga, entre 1 000 $ américains. Qui est-ce qui vient comme ça pour financer un peu de l'opération? C'est un secteur national, la 4 000 qui a fait business comme ça.
Cependant, je suis mobilisé pour que peuple haïtien rejoigne justice. Et moi, je dis ça. Ou pas besoin de partisans du Jovenel Moïse, ou pas besoin de présents du quotidien pour bataille pour que la situation soit éclaircie. Nous avons dit ça à la radio au Cap. Nous sommes très jeunes. Nous sommes fait une politique, tonton, ouais, c'était mon premier politique, papa me dit politique. Donc, il est venu, comme avocat, et même jour où il est FBI là, FBI est entré, etc. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas connaître qui est ce qui tue, nous avons dit Rocher Bébé. Nous avons écouté ancien président chambre député haïtien Gary Baudot, lui-même qui a réagi aux assassinats qui fait contre le président de la République Jovenel Moïse. Il fait quoi que en quel monde la casse moyenne n'a pas de capacité l'agence ça pour être capable de financer les assassinats ça contre le président. Mais c'est monde qui gagne un gros magot l'argent et particulièrement monde qui dans qui c'est oligarque corrompu que le président est toujours à bataille contre eux pour que eux même qui financer Zak Sassinaza qui fait dans la 6 à 7 juillet 2021. On a toujours été dans le dossier actualité, hein, qui c'est funérailles ancien président de la République, là, Jovenel Moïse, qui chantait vendredi passé, à vendredi 23 juillet 2021, dans Oka, pas ici, hein, côté que, on s'entendait déjà dans le journal là, dans la première partie du journal là, intervention première dame, là, ancienne première dame République, là, madame Martine Moïse, lui-même qui a fait éloge de Marie-Li et puis qui a parlé sous situation. Quoique ils ont perdu ils ont bataille mais ils ont pas perdu la guerre. Donc gagné ancien sénateur Tibonitan il a entendu lui-même qui fait un bilan sous insécurité généralisée qui a bouleversé le pays d'Haïti depuis quelques temps et ensuite coordonnateur AA prend comme exemple sept mercenaires qui ont été kembés et dans la banque centrale là qui partent gagner en qu'un suivi judiciaire qui était fait. En coup de, ancien sénateur Tibonitan, Yuri Latosu, qui d'abord a présenté une situation sécuritaire généralisée pays, et après, n'a bien pour une fois entendre réaction sur le discours première dame Martine Moïse. En coup de. Où est-ce qu'on a arrêté que Jovenel te prend par rapport à la police là? Loi a dit que le directeur général là, c'est lui qui fait transfert et nomination. Monsieur font arrêter, il dit que faut qu'il y ait aval CSPN. C'était un arrêté qui était manié la police là dans tout col. Mais l'homme t'a pour prendre ça dans Sénat pour dire et puis au senti mon yo pas réagi sur ça, yo pas comprendre et ça t'est arrivé. Police a gagné DCPJ, il gagne DCPA. Il gagne police judiciaire, police administrative. Corps spécialisé c'est dans police administrative là. Là par exemple une unité quand USGPN. USP, CAPSIM, c'est des unités qui assurent périmètre sécurité présidentielle. Le que, ou rive qu'on y a, unité ça, ou retire tout ça que la police te doit faire en dan, ou faire une politique. Donc, le que, ou campé en dabalea, gon moun qui vin koto, que moun nan dit diye, quel dit ce département, quel dit Joe Biden, ça m'a dit ça. Est-ce que moun ça, président, te dit qu'à entrer? Ou bien c'est le secrétaire général Paléa, t'es pas en papier pour lui. Le comprendre que ça, à longueur de journée, on va vouloir le dehors pour n'importe qui est, passer dans l'ordre, ou bien balcom pour qu'il vienne, ou perdre la sécurité là. Et qui fait que l'unité ça, yo vient faible parce que yo pas responsable, yo pas respecté la loi, mais l'unité yo pas été spécialisé dans la mission, ou pas qu'à jouer dans la guerre IGPN, qui a fait circulation dans la rue. Non, il n'y a pas de réflexe pour ça. Réflexe li, c'est que côté lié à l'Union SOP, ça ou les standards opérationnels procédure, qui doit être dans protection balaya à protection président. On va capable faire plusieurs jobs à la fois. Et c'est peut-être ça, ouais, dans l'insécurité générale là, périmètre la vie dans l'insécurité tout, parce que périmètre la vie des mondes qui pas gain réflexe de protection. Ça, c'est au niveau de l'insécurité, nous avons parlé tout à l'heure, l'insécurité spécifique. Ou gagne 7 mercenaires qui entrent dans le pays, des mercenaires. Ils ont entré dans le pays. Parlement vote une résolution mandée pour Kembe ou pour la justice. Eh bien, en plus de l'insécurité, ça, le président est venu, il voyait mercenaires aller.
son signal côté que n'importe qui est qui doit entrer dans le pays, ça va protéger. On a écouté sénateur, ancien sénateur de la Tiboulette, Yuri Latentu, qui a présenté tableau sécuritaire, généralisé sécuritaire pays, hein, mais il est plus loin, là, il parlait, il a réagi sur le discours, première dame n'a pas fait, dans le moment, cérémonie funéraire, président de la République, Jovenel Moïse, dans la ville au Cap. Sénateur Yuri Latentu, quoi que, gagnait un pile parole qui parlait, et que Martine Moïse parlait là, cap bon pour la justice, qui permet que l'enquête l'avance, et comme ça, il est capable, bah, permettre que le président de la République, Jovenel Moïse, joue une justice li, beaucoup plus rapide. Entendez, sénateur Latibolite, Yuri Latentu. Colombien, au côté de ceci. Colombie. Yo sot Colombie, yo dit, yo était là depuis 3 mois, 6 mois. Comment fait Colombie, dans Interpol, pas voué 10 mouvements, mercenaires qui ont fait la Cali. On connaît Colombie, son devoir que le gain pour informer tout pays de côté au point les FBI des boutons de enquête mais FBI tout le monde pense le bon c'est quand comme gardeuse en unité et ben c'est vrai il y a performance li. Mais là FBI a été de regarder tout mouvement qu'a fait de transfert de mercenaires société clacaille li est-ce qu'il était jamais du pays d'Haïti ça donc je dis à l'homme temps des enquêtes a fait il prend FBI Colombie, chef police à la guerre, l'une devant, premier ministre, chef police a été protégé, président. Bon, il échoué, il va gagner un quatre fois. Donc, Jodia, mission, c'est à renforcer des CPJ pour l'autonome, pour que l'autre pays, si vous voulez, a bas information, mais on va gagner devant la scène. Saint-Domingue, côté de la réunion qui était faite, pour qui ça, Interpol, il va avertir la police, que des réunions qui fait. Parce que c'est une obligation liée, pour que toute information qu'on pense suspecte, pouvez le bail pays alliés. Ils sont des pays alliés. Maintenant, question enquête là, pour le moment, si c'est comme ça la fête, plusieurs pays qui ont parlé, d'accord avant, c'est déviable de ville. On a écouté, sénateur Latibolite là, Yuri Latentu, lui-même qui t'a réagi sur question de sécurité paysan et son enquête qu'a réalisé et dans le pays à partir de assassinats qui fait contre le président haïtien Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 février par le 7 juillet 2021. Avant de quitter le dossier ou encore le dossier funérailles, président Jovenel Moïse, n'a pas que ville au Cap, tension a été montée très haut pendant toute journée ou encore depuis avant date de cérémonie funéraire là et pendant toute journée vendredi 23 juillet 2021 côté que yo t'a chanté funérailles président république là parce que autorité ou fonctionnaire état yo même qui t'a couru pour quitter zone là sous forte escorte quelques minutes après funérailles président Jovenel Moïse là mais journaliste pas épanier en bas et moun dans zone là qui t'a critiqué qui était très critique à l'égard de journalistes, il était ciblé tout le monde qui gagne couleur rouge et ensuite il était agressé plusieurs qualités monde, il était même cassé ou encore pillé magasin Valerio Canes pour plus passer 2 millions de dollars et bien avec un succursale Capital Bank qui vandalisé dans mi-temps gros tension ça qui gagné dans ville au Cap haïtien vendredi 23 juillet 2021 pour le midi passé à peine que parce que civil funéraire et président Jovenel Moïse a été terminé officiel avec fonctionnaire d'état a pressé pour quitter zone et ça a parce que des grands pile monde qui était en colère contre ça qui t'a passé il dit que nous pas même honte de connaître examen nous le président Jovenel Moïse a été besoin présence nous joue monde de bon assassin gain un paquet de monde qui t'a critiqué comportement la police qui pas intervenu dans moment président Jovenel Moïse était besoin il même fait que barbecue a bien pour tuer moun sa yo, yo espéré que y a bien pour crever je yo, même Jean yo te crevé dans policier dans village de Dieu d'après Jean et quelques monde t'a prendre à quelques policiers anti-émeute qui étaient en fonction dans moment devant entrer et situation devant entrer zone délégation non il était insulté avec fermeté et puis énervement qu'un policier qui t'a conduit mon yo il gagne par choc qui était dans débandade il y a majorité véhicule avec escorte qui était lourdement armé qui était campé
pendant que tu as gagné un pile poussière dans la zone haut du Cap. Là. Ton côté tension était moins tendu, là, tu as obligé à faire calme. Et gagné quelques journalistes, tu as même menacé et traité de assassin. Je dis que faut aller à pied, il y a des gens qui t'ont parlé pour que tu es capable de couper tête à Coutroche, pour que tu es capable de casser tête à Coutroche. D'après un adolescent qui même qui t'a parlé dans le journal Le Nouveliste, il a gagné un, je t'ai enragé de fixer journaliste, surtout qui était clair. Dit que le mouraï moun Port-au-Prince, il me regrette que m'a étudié Port-au-Prince pendant 3 ans. C'est mon seul t'a lancé avant, que t'a lavé visage dans le point de lavage, des mecs t'es tout prêt à entrer. Il s'est accepté pour un journaliste à bord moto, moi c'est son façon pour me capable de jeter le bon camion d'après un jeune homme qui t'a fait déclaration ça. Le nord, que l'autre zone noire t'a capable d'être état libre. C'est ça, il t'a annoncé de temps en temps. Seul monde qui a une chance, qui, comme leader politique, qui était capable d'assister, qui était ovationné, qui était battu un pile bravo pour lui, dans le moment cérémonie fédérale, c'est Jean-Charles Moïse, lui-même, qui est leader petit de Saline, hein, et comme leader politique qui était là, ou bientôt avec Evans Paul, lui-même, qui était assisté à la cérémonie. Hein. Mais on dit qu'un ancien président, pas de chance pour participer dans la cérémonie funéraire qui était faite pour président République. Non, Jovenel Moïse, on a dit à quelques centaines de mètres, de côté vers la tafette, il y a quelques jeunes garçons, eux-mêmes, qui étaient encagoulés, ils ont mis des barricades, ils ont demandé aux journalistes pour que yo quitté zone là pour demander qui ça gagne dans sac yo, yo t'a interrogé yo, t'a gagne pile pression qui t'a fait sur journaliste particulièrement et mes journalistes nan yo ton ti gens a intervenu de temps en temps pour être capable calmer situation, pour être capable rendre dans ville là. Pas de monde pas de droit pour te passer par route principale là à cause de barricade yo. Quartier Morin t'est en un volcan qui était en éruption le rivière dans pointe dans zone Bon Madeline là, retour sur route principale là, c'est un bagage qui était vraiment incontournable. C'est un mercenaire, c'est ça il a lancé sur toute route là par les gardes de monde qui était dans zone là. Il y a plus le monde qui fait quoi, jamais on va jamais porter un mercenaire, son chauffeur taxi qui t'a dit ça, qui est très connu dans la zone. Nous ne pouvons pas transporter aucun monde qui est pour clair parce que le monde ça, c'est moun rouge, c'est boulos, c'est mercenaire. D'après un autre jeune garçon qui t'a parlé, il soulignait que le gagné autorisation pour le tabasser, pour l'agresser et n'importe monde que il était capable, jeune sous route, qui t'a gagné, yon pour clair. Après un parcours dans banane, retour les monde t'a retourner sur national dans tout préparer bouteille, c'était avec un pile risque que t'a fait ça. Et puis t'a essuyé un pile coup de roche qui t'a lancé de temps en temps, t'a demandé de retourner côté sorti de enfin dit bien c'était gros ton pression que t'es gagné dans métropole noire dans occasion funéraille président de la République, là, Jovenel Moïse, vendredi 23 juillet 2021. Nous avons que, Zolkat Simorian, t'es en effervescence, qu'on est que, y'a cassé, y'a un succursal Valéo Canès, et puis, ensemble avec, y'a local, Capital Bank, qui a vitalisé. Information fait quoi que, t'es gagné une marchandise pour plus passer 2 millions de dollars, en dedans, Valéo Canès, sans que Mounio volait tout ça, qui t'es gagné, la dernière moment, c'est mon funérailles, ancien président de la République, là, Jovenel Moïse. Là. Merci à vous. Entre temps, quand que gagné, c'est plusieurs monde qui t'a enterré dans l'occasion ça, pendant tout le week-end, là, gagné funérailles. Militante politique Marie-Antoinette Duclair, lui-même Zinetti qui était chanté et dans la commune Chantal dans le département sud pays en présence à plusieurs camarades politiques qui ont même qui fait déplacement qui est capital pays en Port-au-Prince pour aller dans la commune Chantal à côté que dans l'église ça il était chanté cérémonie funéraire et Marie-Antoinette Duclair Zinetti, en plus le monde qui te prend la parole dans ces circonstances-là, fait quoi que son femme vaillant, que pays en perdu, il y a un monde qui était prêt pour sacrifier ville, pour payer lui, pour payer il était capable de changer, et le monde qui te mettait maintenant toute bataille qui est nécessaire pour qu'il soit capable de faire la vie meilleure, fleurie en dedans.
pays d'Haïti. Gagné un funérailles ancien policier Gerbi Geoffroy, lui-même qui est porte-parole SPNH 17 ans, qui était chanté également samedi 24 juillet dans l'église Sacré-Cœur toujours, sans présence aucun membre dans le commandement police nationale pays d'Haïti, mais seulement quelques membres SPNH 17 ans eux-mêmes qui étaient assistés à funérailles Gerbi Geoffroy. Tout le monde s'en a besoin là, il était mort dans la date 29 ou 30 juin 2021 dans Delma. Yon nan Delma 32 et puis l'autre là te mouri nan Krissoa. An koute, et comment ça te passé nan funérailles Gerbi Geoffroy qui se porte-parole SPNH 17 là. Nous gardons nous que jodi a la, c'est dans terre que nous allons trouver grand guerrier ça. C'est dans terre que nous allons trouver gros combattant ça. Donc, nous ne pouvons pas expression pour exprimer douleur, tristesse, genre que ça a mangé nous. Et nous avons dedans ce que Gerbi Geoffroy, avant de mourir, avant que le traverser, il était toujours à dénoncer DG Léon Charles et responsable CNDDR là, qui a fait complot pour assassiner. Et par pure coïncidence, jodi à la, Gerbi Geoffroy, la rentré dans terre. Gerbi Geoffroy, il mourit et il mourit assassiné. Ou t'as écouté Domon Saint-Cyr qui se porte-parole SPNH 17 ans dans moment cérémonie funérailles ancien policier Gerbi Geoffroy qui s'est délégué SPNH 17 ans qui s'est chanté samedi 24 juillet 2021 dans l'église Sacré-Cœur toujours dans capitale pays en Port-au-Prince sans présence aucun membre au commandement PNH là mais il y a plusieurs membres dans SPNH 17 ans qui est syndicat police nationale pays d'Haïti qui était assisté à funérailles ça ou connaît que Gerbi Geoffroy lui-même délégué SPNH il était mort dans Delma 33, c'est ça, dans la date 29 juin 2021. Bien bonheur, dans la soirée, vers 5-6 heures comme ça. Et puis tard, tu as pas gagné environ 15 autres qui ont mouru dans Delma 32. Et puis, gagné Antoinette Duclair, ensemble avec, avec Diego Charles, qui est journaliste Vision 2000, même tout qui a mouru devant la caillou dans Krissoa. N'a pas signalé ça. Gagné directeur général de la police nationale, M. Léon Charles, qui dégage un jeune résultat enquête dans moins que 24 heures, qu'on doit faire croire que ses partisans, Gerbi Geoffroy, qui était un représailles, qui t'a touillé, Mounsao, dans la capitale pays en Port-au-Prince, particulièrement dans la zone Delma 32 avec Krissoa. Fancy Allé, c'est un moment de terreur qui dégage dans la capitale pays pendant toute semaine, nan, parce que environ 6 jours avant ça, c'est qu'il y a plus passé 40 mounes qui étaient mouru dans Cité Soleil, dans Bazaki, qui gagnent un grand yo, un dans Cité Soleil, bien avant, assassinat, ça, dans Cité Soleil, on connaît que, John Martissant, avec Fontamara, Tétouné, y ont véritable situation difficile, côté rigole sans ap coulé de temps en temps, chien ap mangé, chrétien vivant, cochon ap mangé moun tout le temps, dans zone nan, depuis la date 1er juin, une bataille qui était démarré entre gang Grand Ravine, avec gang, Village de Dieu, y ont même qui besoin contrôler zone Fontamara ensemble avec Martissant. Donc, grand pile monde qui est obligé de quitter la caillou pour aller réfugier dans Carrefour, dans le centre d'accueil Carrefour là, pour être capable de voir qui monde qui est capable de porter l'assistance ba yo parce qu'il n'est pas capable de rester dans caillou à cause de coups de zam qui a chanté de temps en temps et en pile monde mourir. Je dis en ken organisation ni d'état haïtien pour être capable de chiffre parce que c'est difficile d'accès pour monde continuer vivre en dans zone Fontamara ensemble avec Martissant. N'a prêté dans dossier sécurité hein, pour nous dire que gagné inspecteur police qui mourit assassiné dans machine li avec plusieurs balles dans zone Cabrit, c'est Gabriel Guillaume qui c'est également avocat dans barreau l'ordre quoi des bouquets. Direction police a annoncé l'ouvre enquête sur assassinat ça pendant week-end. Entre-temps, il y a deux présumés bandits qui mourent également pendant week-end dans zone quoi des bouquets. La police découvrit une valise qui gagne deux armes avec un pile cartouche. Bandits ont été ouvert coup de
zam sou polisye yo ki ta pral kontrole identite yo. Nan debatman sud-est peyi egalman gen 3 moun ki mouri, yo lot blese, parmi yo 2 moun 400 mavozo ki populasyon chaki an miyet moso apre yo defin nouvi kout zam sou yon sitwayen nan zon nan ki nan machine kote ki mouri epi chofer a blese e an reprezay populasyon te mette men sou gang 4 deux moun sa ki fè pase de gang 400 marozo d'apre sa yo di et yo te chake yo en miyèt moso. Nous parlons dans dossier politique là pour nous gen émissé américain yo qui visité qui dans pays d'Haïti et dans sens ça aussi t'a parlé avec recommandement pays hein recommandement police nationale là également ensemble avec président tirez sénat Joseph Lambert. Gagné nous dou dans cadre mission pour venir joindre un dénouement avec protagoniste haïtien diplomate Daniel Foot ensemble avec ambassadeur Michel Simpson yo même yo te chita parler samedi 24 juillet 2021 avec directeur général police nationale pays d'Haïti et bien avec tout gros gradé en de police là envoyé spécial gouvernement américain Daniel Foot et lui-même qui dégage ensemble avec Michel G. Simpson et puis ensemble avec Jennifer Medji, ancien directeur, ensemble avec directeur général police nationale là, Léon Charles, y était chita dans discussion sur situation pays là. Dans un contact déroulé dans direction générale PNH là, il était porté principalement sur accompagnement des États-Unis pour bail contre gangstérisation dans pays d'Haïti et puis pour rétablir sécurité sur tout territoire national. Sur un bureau communication police nationale pays d'Haïti, un contact est réalisé suite à demande d'appui que ancien chef gouvernement par intérim là, Claude Joseph Premier ministre, ancien premier ministre haïtien, lui-même qui a réclamé présence en troupes étrangères en deux pays, après l'assassinat qui a été fait contre le président républicain Jovenel Moïse, la nuit 6 à 7 juillet 2021. Donc c'est ça, et information donc qui sortit pendant le week-end. Entre-temps, gagné Joseph Lambert, président du Sénat, qui, sur compte Twitter, lui fait quoi que, dit Chita parler ensemble avec émissaire Sayo également, sur situation politique pays d'Haïti, lui quoi que, est sous bonne voie. Mais juste avant de faire le journal, là, on a besoin d'ancien trompettiste, fanfare lycée national Pétionville, fondateur groupe Incognitos, là, et fondateur de Tabou Combo, Hermano Limouri, a hier dimanche 25 juillet 2021. Groupe Tabou Combo, son groupe qui était plein succès pendant au moins un demi-siècle en d'un pays. Hermano Limouri, presque 24 heures de temps avant fête nationale, qu'on parle direct là, dans le pays d'Haïti, qui c'est jeudi 26 juillet, côté que toute fanatique mélomane musique haïtienne a fêté qu'on parle direct là. Hermano Limouri dans New York, après elle a passé plusieurs semaines en coma, et avec un AVC, il y a une information qui est confirmée par Dove Chancy, Michel Liben, qui c'est ancien maestro Tabou Combo, ici également producteur groupe Tabou Combo. Il est considéré un manno qui a une main de fer dans Tabou Combo. Et c'est un AVC qui s'est reporté l'aller que le fait dans la date 11 juillet qui passait. Hein, et nouvelle ça, qui a pris tout le monde par surprise, et particulièrement qui était plus proche avec Zami et musicien Hermano qui s'est batteur Tabou Combo. Il est également ancien ministre jeunesse, sport et action civique sous l'administration Jean-Bertrand Aristide avec Neptune. Le ça a passé environ 2 ans dans poste depuis le 14 février 2002 et il a perdu poste 29 février 2004, jour que président républicain à l'époque là. Jean-Bertrand Aristide d'avoir perdu le pouvoir dans la condition que nous connaissons dans la date 29 février 2004. Je dis que Hermano, c'est une figure emblématique pour la musique haïtienne et c'est une perte totale pour le pays pour que nous avons gardé déjà bonheur en ça pour que Hermano batte Tabou Combo lui-même la partie. Et déjà, nous souhaitons condoléances à tous les fanatiques Tabou Combo dans le pays et particulièrement Doudou qui est un véritable passionné de Tabou Combo ensemble avec Alan également qui bord l'hôpital. Les auditeurs, j'en dis déjà, mais qui pigou point d'abdomin actualité dans le journal là, nous allons refermer dans le pays d'Haïti enterré plusieurs cadavres citoyens qui étaient morts assassinés en deux pays entre le mois de juin et le mois de juillet. Parmi eux, nous jeunes anciens président républicain Jovenel Moïse qui était mort en Babal, bandit colombien qui était assassiné la Kaili, qui était maltraité, il était mort dans le 6 à 7 juillet 2021. Dans l'éloge funèbre, veuve Marie Étienne Martin Moïse, prononcé vendredi 23 juillet, déclaré président Jovenel Moïse mourir pour peuple haïtien, il devait montrer route développement. Jovenel Moïse, malgré loyauté,
parce que il était gagné traite oui malgré loi hôtel parce que il était gagné traite bon côté lui il a perdu une bataille mais il a pas perdu la guerre. Parole Martine Moïse, ancien premier dame pays. Je parle de Moïse, petit garçon défunt président également, te prend la parole dans ces consensus-là, il fait éloge de bonne qualité papa le gagné, il croit que papa très cool au monde qui était rempli à clamour, mais même s'il t'a vivre dans mi-temps méchant, papa t'es bon à tout le monde, même s'il t'a vivre dans mi-temps, il y a une bonne traite, parole Jovellin Moïse qui dit que il dit papa lui pas péri, y a kembe yo. Funérailles ancien policier Guerbi Geoffroy, délégué espionnage 17 à chanter samedi 24 juillet dans l'église Sacré-Cœur toujours, sans présence au commandement PNH là, mais plusieurs membres dans SPNH 17 là, ils ont même été assistés à funérailles. Funérailles Marie-Antoinette Duclerc Dinetti, chanté les mêmes tours dans la commune Chantal, dans le département sud pays, en présence de plusieurs camarades politiques qui quitté quitté capitale pays, en tout partout, pour tal run. Antoinette Duclerc, une dernière hommage, je crois, son femme voyant, une femme totale capitale, qui participait dans tout ça qui vient à développement pays d'Haïti. Dans le cadre de funérailles, ancien président, ancien président chambre, député Gary Bodo, qui fait quoi le mot président de la République, là, pas capable de sortir dans le camp peuple, parce que, pas de monde dans la classe moyenne, là, qui gagne un gros magot l'agent ça pour assassiner défunt président Jovenel Moïse, mais plutôt son oligarque corrompu, que le défunt président de la bataille contre eux, et eux-mêmes qui financent ces assassinats contre le président Jovenel Moïse, qui fait dans 6 à 7 juillet, 2021. Ancien sénateur Latibolite Nan Yuri Latotsu qui t'a préagi sur question insécurité. Hein, et il fait quoi que c'est insécurité généralisée hein, qui t'a bouleversé Bill pays d'Haïti hein, depuis quelques temps. Coordonnateur AA hein, comme exemple. Cette mercenaire, c'est qu'un bien dans banque centrale qui pas gagné aucun suivi judiciaire qui est fait sous yo, mais président est plutôt prêt à faire retourner dans le pays sans que la justice pas poser aucune question. En tout temps, insécurité a monté toujours dans la capitale pays en Port-au-Prince. Il y a un inspecteur police qui mourit assassiné et sous machine avec plusieurs balles dans mon cabrit, Kouale Bouquet. Gabriel Guillaume, qui est également avocat dans Barreau Lodio dans Kouale Bouquet. Direction police l'a annoncé. Il ouvre une enquête sur l'assassinat qui fait contre inspecteur police pendant le week-end. Le président Benzi mourit également pendant même week-end ça dans Kouale Bouquet. La police découvre dans valise deux armes avec un pile cartouche. Benzi a ouvert coup d'armes sur police qui t'a préparé. Pour y aller contrôler l'identité dans le département sud-est pays. En trois mois, nous avons blessé. Parmi eux, deux membres, 400 marozos qui population tchaké en miette mousseau. Après, ils ont fait une ouvrir coup de zame sur eux. Un citoyen mourit sur le site. Ils ont fait une ouvrir coup de zame sur le monde qui est machine dans la zone. Nan. Côté, un citoyen mourit avec chauffeur blessé. Et en représailles, la population mette main sous bandits et comme ça. Yo tchaki et yo en miette mousseau dans la zone. Dans le dossier politique là, c'est une délégation américaine qui est la tête de Mme Michelle Simpson avec son chargé d'affaires Daniel Foote qui rencontrait diverses autorités dans le pays d'Haïti, particulièrement je suis parlé avec le commandement de police nationale là, en dans local direction générale PNH là. Je parlais également ensemble avec le président Tiré Sénat haïtien, sénateur Joseph Lambert. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour t'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.